Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette visite virtuelle du pavillon photo dans le jeu Minecraft. Je suis Thomas Burelli, professeur adjoint à la section de droit civil, et c'est moi qui vais animer la visite avec mon excellent collègue Terry qui va se présenter. Merci beaucoup Thomas. Hello everyone, my name is Terry Skolnick. I'm an assistant professor in the civil law section. We are your hosts for this guided tour of photo, a first on Minecraft constructed by one of our fantastic students, Rami Halawi, who you'll meet later. So welcome one, welcome all. We're very happy to have you here today. Et Thomas, voulez-vous expliquer un peu le déroulement des événements d'aujourd'hui? Oui, alors l'idée, c'est de présenter un petit peu le résultat du travail qu'on a fourni cet été pour reproduire la faculté dans le jeu Minecraft. Et on a demandé à quelques invités de marque de nous rejoindre, des acteurs clés de la faculté, pour qu'ils partagent un petit peu avec nous leurs lieux favoris, qui nous expliquent et qui nous donnent quelques petites anecdotes de leur passage à Fauteux. Étant donné qu'on peut pas se rendre au bâtiment Fauteux, qu'on puisse quand même avoir un petit peu d'énergie du bâtiment. Excellent. So just to kind of go through what Thomas was explaining, we're going to meet some renowned people within Fauteux, some guests. We're going to explain kind of the favorite places to go, the things to see, people's memories of Fauteux. So you're going to get a real tour of the building inside and out, and you're gonna see it's quite astonishing what they've been able to accomplish. And I can see in the comment section, if you write us comments, they're gonna show up here, we're able to see them, that some of our students are even here writing certain things in the comment section. So, hello Véronique, je vois, hello. Thomas, d'autres choses? Ben, peut-être juste encourager les personnes qui sont présentes dans le chat à interagir, à nous dire où elles sont en ce moment peut-être, puisque certains sont peut-être proches du bâtiment, d'autres un peu plus loin. Mais aujourd'hui, on se retrouve tous quand même au bâtiment Fauteux. Et dites-nous en quelle année vous vous trouvez, est-ce que vous êtes des nouveaux étudiants ou pas. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, suggérer des choses, on répondra au mieux. Et s'il y a vraiment des endroits incontournables que vous voulez visiter, ben, écoutez, on essaiera de faire au mieux. Yes, we'll be able to access all the locations on land, even perhaps by air. The drone-like feature of Minecraft, we'll be able to see Fauteux from angles that you've never seen before. And we encourage you to interact with us. We're able to see your comments. Say hello from wherever you are. Let us know how you're doing. And if we've had the joy and opportunity to have taught you, please let us know as well. And we look forward to doing this tour with you. Alors peut-être qu'on va pouvoir partager le résultat, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est l'avatar de Rami, donc Rami Halawi, l'étudiant qui a été notre assistant de recherche durant tout l'été et qui a travaillé à tout l'aménagement intérieur de la faculté. Donc on discutera avec lui un petit peu plus tard. Excellent. Alors, je vois qu'on a des premières années, on a un petit peu tout représenté, on a des premières années, on a des troisièmes années, on a des gens qui sont gradués de la faculté. Alors, pour les premières années, je précise que nous ne sommes pas responsables de toute déception lors de la découverte du bâtiment en vrai. Évidemment, on a essayé de faire au mieux, c'est plus proche de la réalité possible, mais il y a sûrement des différences avec la réalité. Et puis les anciens, j'espère que vous reconnaîtrez quand même le bâtiment. Alors, Thomas, pouvez-vous expliquer aux gens où sommes-nous maintenant? Où sommes-nous maintenant? On est dans les airs, évidemment, maintenant ouais. Sur le gazon, mais on est où exactement? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Là, on est devant le bâtiment, puis on est à l'angle Copernicus-Thomas More, si je ne me trompe pas. Et là, Rami se dirige doucement vers l'arrière du bâtiment, l'entrée secrète, l'entrée des artistes, l'entrée de derrière la faculté. Et on peut avoir une vue globale du bâtiment qui est assez massif. Hein. Ça représente des milliers, voire je pense des millions de blocs qui ont été assemblés pour construire ce bâtiment en ligne. Ouais, ouais, effectivement. Puis je vois dans le chat du monde qui nous rejoint de Côte-de-Sable. Bonjour Anne Lévesque. Aïe, aïe, aïe. Véronique aussi dit bonjour. Oh, bravo prof, merci beaucoup. Quelqu'un dit « This is so cute ». Je suis d'accord, en effet. Merci Étienne qui nous aide avec la diffusion de ce visite guidée. Casper, hello. Long time no see. Casper aussi nous parle directement du chat. Alors, excellent. Bienvenue tout le monde. Et voici l'entrée de Fauteux, the entrance of Fauteux. This is where the magic happens. Thomas?
Et une entrée qui est plus vraie que nature, hein. Je vous passe les effets spéciaux et puis justement les efforts de codage de notre deuxième étudiant, Simon Garceau, qui nous a beaucoup aidé pour ces aspects techniques. Et puis écoutez, ben, je vous propose qu'on rentre à l'intérieur maintenant, puis qu'on aille voir, qu'on aille en direction du bureau de notre premier invité. Excellent. So right now we're going to go see our first guest on this virtual tour. And Thomas, who are we going to meet in the beginning? Thomas, qui est-ce qu'on va rencontrer pour commencer cette visite guidée de fauteuil? Ben, on va aller rencontrer la doyenne de la section de droit civil, donc Marie-Ève Sylvestre, qui a accepté de se prêter au jeu, tout comme notre deuxième invité, le doyen Adam Dodek, donc doyen de la section de Common Law. Cool. Donc Rami, peut-être se diriger doucement vers le bureau de la doyenne. Donc je pense que c'est le 206 de mémoire. Je suis capable de le trouver, mais je ne sais pas si je me souviens exactement du bureau. Ah ouais, on va dans la bonne direction là. Et donc on va pouvoir s'entretenir. Oh, attends. Ah. Par en arrière, je pense. Merci. Non, de l'autre côté, Rami, tu l'as dépassé. Ouais. Et donc, petite anecdote à propos de ce bureau-là, c'est un bureau qui a été entièrement aménagé par la fille de Marie-Ève Sylvestre, et donc qui nous a aidé au tout début du projet, et dont on a appris beaucoup de choses à propos du jeu grâce à elle. Et donc, je vois que Marie-Ève est là avec nous, donc bienvenue Marie-Ève. Bonjour Thomas, professeur Bubu, professeur Skolnick, bonjour. Allô. C'est très plaisir de me joindre à vous. Félicitations pour ce magnifique projet de reproduction virtuelle de la faculté. Elle a l'air tellement moderne, on dirait un édifice des années 2020. Et on s'est dit que ça pouvait être un exercice de réinterprétation aussi, essayer de le rendre le plus beau possible. Peut-être que des gens auront des suggestions. Alors peut-être, Marie-Ève, peut-être que tu peux peut-être partager avec nous les endroits que tu préfères à fauteuil ou les endroits qui sont, qui évoque les plus beaux souvenirs pour toi? Oui, avec grand plaisir. Alors, l'édifice fauteuil, évidemment, les lieux, ça dépend des souvenirs qu'on a dans ces lieux-là. C'est ça qui les rend attachants. Donc, moi, je commencerai par vous amener au troisième étage, dans le corridor BLG, dans les salles de séminaire qui sont des salles 315 et 316. Un joueur ami qui est là. Donc, en fait, là, on arrive lorsqu'on arrive de l'escalier au troisième étage, qui est un lieu de rassemblement où on rencontre souvent beaucoup d'étudiants. Alors, voilà une salle de séminaire, la salle 315. J'enseigne régulièrement dans cette salle de séminaire. En plus d'être la doyenne, je suis aussi une professeure de droit pénal. J'enseigne aux études supérieures dans ce local. J'ai d'excellents souvenirs de rencontres et d'échanges avec les étudiants qui nous partagent toutes leurs préoccupations, mais tous leurs espoirs aussi pour leurs études en droit. C'est chouette. Je pense que j'ai eu des cours avec toi dans cette salle-là. Ben, j'allais le dire justement, je professeur pense. Bubu. un jour, je t'ai enseigné dans ce salle. En 2007-2008, et je pense que c'était dans cette salle-là. Il y a quelques années, alors que tu étais étudiant avant d'être professeur parmi nous. Et j'ai eu des cours avec Margarida Garcia, le même cours un peu différent évidemment, mais le même cours en théorie contemporaine du droit avec Margarida. Ouais. Professor Skolnick, any memories in that seminar room? So actually, a very good question. I haven't been in that seminar room very often because the courses I teach are some of them that I teach are unfortunately outside of fauteuil. But I do have a lot of very fond memories of the faculty. And like Thomas, Thomas and I both studied at fauteuil. And now we have the immense privilege and opportunity to be professors here. So I have tons of good memories. And I met actually my best friend I met in fauteuil in second year of law school. That's probably my best memory, even if it doesn't have anything to do with the seminar room. Ouais.
Ah, c'est chouette. Et je pense, Marie-Ève, que tu nous avais parlé aussi du centre droit de la personne, hein, quand oui. on t'avait interrogé sur tes lieux tout préférés. À fait. Alors, maintenant, je peux vous amener au 5e étage. Alors, j'ai pensé, évidemment, on a beaucoup de lieux de rencontre dans l'édifice fauteuil. Je suis certaine que d'autres invités pourront vous les faire découvrir, mais j'ai pensé vous amener au 5e étage. Alors, voilà, on prend l'ascenseur en direct. C'est merveilleux. parce que on est une institution d'enseignement, mais on est aussi une institution de recherche. Et au 5e étage, on a les locaux du Centre des droits de la personne, qui est un centre justement d'enseignement et de recherche. Merci de nous suivre, professeur Bubu. Alors, le Centre des droits de la personne a subi beaucoup de rénovations au fil des ans. Il y a déjà eu un centre complet de documentation. Mais maintenant, si on va dans cette salle-là, la 570, c'est une salle où on a fait des ateliers, où on a eu des beaux échanges. Vous voyez sur les murs, on a souvent des expositions d'art dans ces locaux-là. Alors, c'est vraiment un très bel espace. Et il y a beaucoup de bureaux pour les étudiants, notamment à la maîtrise, mais aussi les étudiants de licence qui veulent travailler avec des professeurs en droit de la personne. C'est magnifique. Ouais. Alors, vous avez vendu l'art sur les murs. Franchement, ouais. Tout est là. Je pense que c'est grâce à Simon Garceau qui nous a trouvé comment insérer ces images-là dans le jeu et qui a fait des miracles. Et c'est effectivement une exposition qui a eu lieu à la faculté sur les caricatures dans le champ des droits humains. Et donc, on a retrouvé le lien, on a retrouvé les photos et on a trouvé que c'était un clin d'œil intéressant de le faire. Mais effectivement, il y a toujours des super expositions. Je pense que c'est la professeure Joanne Saint-Lewis qui a fait une exposition aussi d'art avec ses étudiants à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un très beau lieu. Puis, on a des très beaux souvenirs parce que c'est là où on a beaucoup de séminaires, effectivement, aussi. Super. Et peut-être une petite anecdote, Marie-Ève, à propos du bâtiment. Oui. Alors, il y a plusieurs anecdotes. En fait, j'ai pensé vous reparler de mon bureau, hein, qui était le point de départ de notre visite. Je ne sais pas si on peut redescendre au 3e étage, reprendre l'ascenseur, parce que c'était une expérience formidable. C'est une anecdote vraiment de type ludique. Lorsque j'ai pris possession du bureau de la doyenne, je me suis rendu compte qu'il y avait un bar dans le bureau de la doyenne. Et après enquête, on s'est rendu compte que ça datait d'une autre époque, une époque qu'on pourrait qualifier de Mad Men, où le doyen, hein, ça devait être un doyen à cette époque-là, recevait des invités, peut-être avec un scotch ou je ne sais trop. Voilà, le bar est toujours là, mais il n'a plus de bouteille, hein, je vous rassure, mais c'est intéressant de voir que c'était une autre époque, le voilà. Et le bar a été reproduit dans le jeu. Par contre, il y a une très belle salle de rencontre, la fauteuil 204, où on a des belles discussions avec les professeurs qui est justement ici, voilà. Et dans la fauteuil 204, il y a des œuvres d'art exposées de ma mère, qui est une artiste. Qui ne sont pas les œuvres dans le jeu. Ce ne sont pas. Ok, super. Ben écoute, Marie, merci beaucoup d'être passée nous voir et puis d'avoir accepté de te prêter à l'expérience. Et puis, ben écoute, à la prochaine, très rapidement à la faculté. Merci, au revoir. Merci, Marie-Ève, salut. Oui. Bon, so now okay. We have a couple of questions in the chat. Gabriella Brown asks, how long did this take to make? On va revenir là-dessus tout à l'heure. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais on va en parler effectivement de la création du monde, le nombre d'heures que ça nous a pris, le nombre de personnes impliquées. On va garder un petit peu de suspense, puis on va vous laisser deviner combien d'heures à peu près, voir qui s'approche le plus du nombre d'heures qu'on a consacré à ce projet-là. Excellent. Et peut-être que là, peut-être que c'est le moment un petit peu de présenter un petit peu Rami, parce que l'histoire est un peu amusante, parce que Rami Alaoui est donc un étudiant de chez nous à la section de droit civil, et il se trouve que Rami est aussi un spécialiste de Minecraft. Et autre anecdote dans l'anecdote, on a rencontré Rami grâce au professeur Skolnik, qui m'a écrit un jour après qu'on lui ait parlé vaguement du projet, puis je pense qu'on avait un étage de fini, qui dit « Écoute, on a un étudiant à la faculté, c'est un YouTuber super connu, il fait plein de vidéos avec Minecraft, il faut absolument que tu le rencontres et que vous discutiez avec lui. »
Alors, on a contacté Rami, puis effectivement, énormément de vues, très connues sur YouTube. Et donc, peut-être que Rami, tu peux un petit peu expliquer comment tu as rencontré le professeur Skolnick. Et puis, qu'est-ce que tu penses du projet, quoi? Où est-ce qu'on en est? Bon, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Rami Alaoui. Je fréquente ma deuxième année en droit civil. Alors, j'avais rencontré Terry dans un cours de droit pénal. C'était mon prof de droit pénal. Et voilà, j'avais des cours à chaque semaine avec lui les vendredis matins. Donc, je l'avais rencontré, on se parlait beaucoup. J'avais fait une recherche juridique avec Terry pour commencer. Et c'est à ce moment-là que Terry commençait à me connaître. J'ai une chaîne YouTube également. Je fais du Minecraft depuis l'âge de 14 ans. J'ai une chaîne YouTube avec plus de 75 000 abonnés. C'est basé sur du Minecraft. Alors, mon talent, c'est vraiment la construction. Quand j'avais rencontré Terry, il m'avait transféré chez Thomas pour un projet de recherche qui était justement la construction de photos. Alors, voilà, c'était un peu mon point fort, étant donné que justement, ma chaîne, elle est constituée, elle est basée sur du Minecraft, spécifiquement sur la construction. Donc, quand Thomas m'avait dit de faire de l'aménagement, je me suis dit direct oui, sans hésitation, étant donné que c'est mon point fort. Mon travail dans le projet, en fait, c'était le travail esthétique, donc tout ce qui est aménagement à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, les tables, les corridors, les bureaux des profs, vraiment tout l'intérieur dans son ensemble. Et voilà, c'est ça. Excellent. So just because I see in the chat, in the comments, DD and a couple of others asked for some translation, Haley as well. So very briefly, Thomas asked Rami, how did Rami and I meet? So I was the professor for criminal law. I teach criminal law. I also teach criminal evidence and procedure, which is, of course, looks at police powers and evidence in the courts. And Rami was a student of mine in the first year of criminal law course. And we worked together also because he had the opportunity to work as a research assistant also, where we worked together on some projects. And during, I think it was like during a Zoom meeting or something when we were talking about research, I asked him like, what is with your chair? Like, what is with this like special red chair that like, I don't know anything about like gaming. So I probably looked like a huge noob, but anyway, so I asked him about kind of what the chair was and he explained to me, I'm like a huge Minecraft aficionado and I'm able to like do all this stuff with Minecraft. Which I didn't even know what that was, but I did know that Thomas Burelin, or pour les plus intimes, Prof Bubu, is very interested in law and video games and is actually teaching a course on law and video games this year. So I decided to put them in touch with one another. And this is kind of the beauty of the faculty, that we have the chance to get to know our students better, to work together with them, to do research with them. I'm very, very fortunate that I don't just have research assistants, we have a tactical research squad where we get to work together and do some really cool stuff. And that's how we kind of met. I put Tama and Rami in touch with one another. And here we are. We were able, through this chance, to create this interesting game together. So welcome all. And somebody says noob alert. That is correct. I'm a huge noob and I suck at video games, but it's okay. Mais peut-être la leçon de tout ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller déranger vos professeurs, n'hésitez pas à aller discuter avec eux, frapper aux portes, évidemment, quand on peut se rendre à la faculté, pour les rencontrer, discuter de vos intérêts de recherche. Si c'est pas avec le ou la professeure en question, on vous redirigera vers la meilleure personne. Moi, quand les gens viennent me voir en droit pénal, je sais à qui je peux, vers qui je peux les renvoyer, notamment Terry, Marie-Ève, Margarida, Jennifer Quaid. On sait vers qui se tourner pour vous recommander. Donc, n'hésitez pas. On adore ça quand les étudiants démontrent un intérêt pour la recherche. Ils veulent s'impliquer. Donc, n'ayez pas peur de contacter vos profs, que ce soit pour travailler ou pour demander de l'aide dans certains cas. Ouais. I agree with Thomas, what Thomas was saying completely. Don't be reticent to go see your professors, to write. I mean, if you can't see them in person, write to them or contact them. The best part of our job is that we get to meet the students and interact with them. And don't feel shy. Don't feel like we're busy because we're professors or whatever. Like, we have time.
come reach out to us. We're happy to speak with you, and we look forward to meeting you very soon in a couple of weeks. J'aimerais ajouter aussi que je suis grand frère cette année. Alors grand frère, c'est pour les gens qui ont besoin de l'aide en première année. Alors si vous avez de l'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Donc voilà, juste pour vous partager cette information ici. Bon, ben ça va être le temps d'aller rencontrer le doyen Adam Dodek. Donc Rami, peut-être si tu veux bien te diriger vers le 111. Et je vais modifier la pancarte parce que je me suis trompé et j'ai indiqué 112. Donc je vais le faire devant vos yeux ébahis. Tac, tac, tac. Oh, quelqu'un a posé la question dans les commentaires. Qu'est-ce que noob? Noob, c'est quelqu'un qui est comme qui connaît pas les jeux vidéo, comme quelqu'un qui est poche genre en jeux vidéo puis comme a jamais joué à un jeu. That's my rough translation. Somebody asked what a noob is, and please correct me if I'm wrong because I probably sound like a huge noob saying this, but I believe a noob is somebody who has never played a certain video game before and sucks at the game. So I believe that's what a noob is. Et nous voilà donc dans le bureau du doyen de la section de Common Law, que je n'ai jamais visité. Donc, c'est pour moi la première fois que je vois ce bureau-là. C'est la seule façon que j'ai de le voir. Donc, et le doyen est avec nous. Donc, vas-y, Terry. Hello, Dean Dodek, how are you? I'm great. Looks great. The office is much cleaner. How are you doing? How's everything? I'm doing great. Thanks so much for inviting me to be a part of this. And thank you so much, Thomas. Oh, no. It's a teamwork. It's a real teamwork, and we'll come back on this. So it's a pleasure to have you here. We're very happy to have you today. So you're the dean of the Common Law section. And how long have you been with the Faculty of Common Law? I joined the Faculty of Common Law in 2008. So I've been here for about 12 years. Okay. And you have been the dean since? Since January 2018, so just over 2.5 years. Very cool. And in your time as professor and dean of the Common Law section, do you have some of your favorite places in Fauteuil you could tell us about, or maybe some anecdotes you could share about your time in the building? Sure. So one of my favorite places is the Brian Dixon Reading Room in the Brian Dixon Law Library. Brian Dixon was the Chief Justice of the Supreme Court of Canada from 1984 until 1990, a really pivotal period in the history of the Charter and constitutional law in Canada. He came from Manitoba. He had no direct connection to the University of Ottawa, but upon his retirement, he and his family donated much of the papers and recreated his office in our law library. And so it's a place that we take guests. It's a place that students can go and study when the library is open. And it's something that is quite special because you have a chance to study in what is essentially like an art exhibit. So it's kind of a neat thing. Very cool. I used to actually, when I was a student, I used to go and study in the Brian Dixon Law Library. Donc le doyen de la section de Common Law nous amène vers une des plus belles salles de la faculté, la salle Brian Dixon, où vous pouvez notamment étudier. Et puis c'est une des plus belles salles qui a été reproduite par Rami également dans le jeu. Oui, ça c'est très, très calme. Et aussi, il y a beaucoup d'espace. Et ça, c'est vraiment une salle très, très belle. Et il y a aussi des artefacts, mais des choses de la carrière. Ça, c'est le bureau de Brian Dixon et avec ses papiers. Alors, ça, c'est vraiment interactif. And you feel, you feel inspired studying in a Supreme Court Justice's office. Yeah. Et Rami me disait que c'est la salle des photos pour la graduation, si je ne me trompe pas. C'est là, et c'est pour ça qu'il a reproduit ce petit appareil photo. Et on voit donc ici notre collègue Alexandre Lillot, qui nous a aidé avec qui j'ai bâti tout le bâtiment au départ, qui est également avec nous ce soir et qui est là, enfin ce soir, je dis ce soir parce qu'il est en France, donc il est très tard pour lui, mais il est là dans le jeu avec nous.
Oh ben, il est parti. OK. So, Dean Dodak, do you have any anecdotes to share about your time in Fauteuil, or anything that comes to mind? Or sure. In, you know, in 12 years in Fauteuil, I have a lot of anecdotes. And I was thinking back to in my being my second year in 2009, I've always taught first year students, and I've taught the first year course public law, or in French, législation, real introductory course. And I used to teach it on Friday afternoons in room 137. And, you know, Friday afternoon, 2:30 to 4 o'clock, les étudiants sont fatigués, ça c'est un temps difficile à enseigner, ça c'est un temps difficile pour concentrer. And at this time, I had written an article in a newspaper called The Law Times, writing about a lawyer that I thought was in a conflict of interest. And the lawyer took steps to sue me. And I knew this, and as many students know, you have to be served if you've, you know, watched television, you have a lawsuit. And so on this Friday afternoon, as I was walking into class, and of course there were students outside, somebody who appeared to be a student, had a knapsack on his back and was dressed casually, said, "Are you Adam Dodak?" And I said, "Yes." And he handed me a brown envelope and said, "You've been served." Now, there were about 5 or 10 students who watched this and thought, didn't know what was happening, thought this was, I don't know if they thought it was the coolest thing or they thought it was the most frightening thing, but I took that brown envelope into the class. I had to teach for an hour and a half, just staring at it, wondering what was in it. So we talk a lot about experiential learning, and here was a chance where students saw the law unfolding in real time right in front of them. The lawsuit, for those that are concerned about me, I was innocent. The lawsuit was abandoned and nothing happened. It was a very stressful Friday afternoon for me, and an interesting one for the students. Yeah, it's like it's on site, and I mean it's a good case to on the site. I'm sure it was painful, but after, I mean, it's a great story to tell. very anxiety inducing, but very interesting story, absolutely. So, Thomas, what is next on our trip through Fauteuil today? I think, moi, je t'emmènerais bien voir nos bureaux. Puis, on va remercier le doyen Dodak de s'être joint à nous. Vraiment, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé vos lieux préférés, vos anecdotes. C'est vraiment très, très chouette. Puis, on est vraiment content de pouvoir partager ça avec vous puis avec les étudiants. Merci beaucoup. C'était vraiment mon plaisir. Et merci à vous pour tout votre travail pour faire cet exercice de Minecraft. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Alors, peut-être que Rami, on peut aller voir mon bureau au deuxième, c'est le 214, si je me trompe pas. Où est-ce que je suis, moi? Tac, je suis là. Okay. Oh, aussi, juste, Thomas, just to intervene for one second, I see that we have in the chat Sophie Fréchette. Bonjour Sophie, bonjour. Who asks, avez-vous reproduit le bureau 212? Did you recreate Fauteuil 212? Mais bien sûr, quasiment tous. Il en manque très très peu, mais le 212, on l'a fait. Il nous en manque quelques-uns parce qu'il faut se rendre compte que c'est des centaines, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une centaine de bureaux de professeurs ou du personnel administratif. Il y a des salles qu'on n'a jamais vues. On a découvert en travaillant avec les plans des salles qu'on n'avait jamais traversées, vues. Et donc, du coup, on a eu quelques petits soucis pour les faire, mais la plupart des salles sont là. Alors, comme vous pouvez le voir, mon bureau est terminé, est magnifique, et je vous propose qu'on aille voir le bureau du professeur Skolnick et voir s'il est aussi joli ou pas. Et si s'il est plus beau, je ferai une crise à Rami pour en faire un bureau plus joli au professeur Skolnick. Tu aurais pu prendre l'escalier ici, Rami. C'est le raccourci. Et Rami referme toujours les portes. Ça, c'est son petit truc. Il referme tout le temps les portes. Pourquoi est-ce que, tu sais, pour les gens qui ont genre aucune expérience avec les jeux vidéo comme moi,
C'est quoi l'affaire de frapper les portes avec le marteau? Je pense que c'est... Ben, c'est pour les ouvrir. Et je pense que tu es obligé de faire ça pour les ouvrir, ah, si je ne me trompe pas. C'est... Attends, Rami avec la réponse. C'est exact. C'est exact. Et voilà. So for those who don't know anything about Minecraft, myself included, I asked, why is it that to open the doors, you have to kind of like hit them with a hammer? And according to that, that's how you're supposed to open and close the doors in the game. Something I knew absolutely nothing about. There's the answer. Et je vois des questions sur l'expansion du... tous les bureaux sont faits, c'est magnifique. Sur l'expansion du campus, on va en reparler, effectivement. On a des projets. Si certains étudiants veulent participer, il n'y a aucun problème. On reviendra là-dessus bientôt. Ouais, je vais vous dire quelques mots là-dessus. Alors, le bureau du professeur Skolnick, alors, est-ce qu'il est bon ou pas? 3. OK. Aïe. Bon, ça va, Rami, c'est bien. Il n'est pas plus beau, c'est ça qui compte. Bon, écoutez, il nous manque quelques bureaux. Rami, écoute, petit défi, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, sinon tu n'as pas terminé, ton travail. Je te propose de donner 2-3 minutes maximum pour que tu puisses finir ce bureau-là et nous montrer un petit peu live comment on fait un bureau et dévoiler un peu tes talents devant tout le monde. So, for those who are watching the live stream, I actually do have furniture in my office. There's just an empty floor with a window. So now, Rami is going to show us how he's able to build all these different offices. And from his, Rami's been in my office before, and he's going to build what my office actually looks like. Cynthia Quiroga, c'est pas un marteau, c'est sa main. Oh, so apparently it's not a hammer or anything, it's his hand. Et Rami est vraiment, vraiment très, très rapide pour la construction. Et aussi très, très, très imaginatif parce que le jeu est très, très flexible, vous permet de faire beaucoup de choses, mais parfois, il faut avoir un petit peu de créativité avec les blocs dont vous disposez pour faire quelque chose de plus joli et réaliste possible. Alors, Rami, il te reste 2 minutes. 2 minutes, Rami. No pressure. Alors, les petits blocs qui brillent, ce sont les blocs pour la lumière, parce que vous n'avez aucune lumière dans le jeu. Et sans ces blocs-là, c'est extrêmement sombre. Et le bâtiment est déjà sombre. Alors, difficulté supplémentaire pour Rami, le bureau de Terry est extrêmement petit. Et ce n'est pas contre Terry, c'est qu'on a parfois eu, justement, j'ai vu quelqu'un poser la question au niveau de l'échelle du bâtiment, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au service des bâtiments d'avoir les plans. On n'a pas fait ça de mémoire parce que c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de salles. Donc, on a demandé les plans au service des bâtiments, on a obtenu les plans originaux, on a toute l'échelle, etc. Et donc, on a calculé à peu près 2 blocs, si je ne me trompe pas, pour un mètre. Non, un bloc pour 1 mètre, pardon. Mais vous devez faire parfois des petits ajustements parce que les murs prennent également 1 bloc, mais un mur ne fait pas 1 mètre de largeur. Donc, il faut parfois adapter un petit peu tout ça. Mais on a respecté le plus possible à l'échelle. Et donc, en principe, ça tient la route. Il y a quelques salles un peu disproportionnées, mais en général, ça fonctionne. This is really starting to look like my office. Got the chairs. Oh, yeah, there we go. Yeah, we're missing. C'est bon. This is good. We got the rocking chair in the corner. Yeah. Il y a les peintures de Terry, je reconnais. Yeah. Yeah, there we go. Nice. Wow. Ah, et Rami nous a fait des dizaines de bureaux. Des dizaines de bureaux. Et puis l'aménagement intérieur, c'est vraiment quasiment entièrement lui. Les premiers bureaux ont été faits, donc comme je vous l'ai dit, par la fille de la doyenne, qui nous a fait une trentaine de bureaux, dont le mien, celui de la doyenne, celui de Sophie, celui de Margarida. Et ensuite, Rami a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on n'a pas fini de voir encore ses exploits. Il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques. Allez, Rami, encore 30 secondes. Hein. Ça, c'est l'ordinateur. Allez, ça ressemble. Ça ressemble. Ah ouais, ça ressemble vraiment. On a juste les plantes en haut, puis quelques livres, puis that's it. Ah, il va mettre la bibliothèque. Voilà, c'est ça, c'est fini, quoi. C'est fini, yeah. Il l'a fait. Excellent. Aïe. Ah, le souci du détail, Rami. Le souci du détail.
Allez, une plante, Rami, puis après, on va aller voir notre prochain invité. Ah, elle est blanche, en effet. Oh, oui. Ah, c'est magnifique. Moi, je considère que c'est... Ah, et en plus, il s'assoit. Et en plus, il s'assoit. Je considère que c'est un succès. C'est un excellent. Succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rami. Super, Rami. OK, bah, écoute, Rami, maintenant, allons voir Sophie Thériault, donc le bureau à côté, de pas loin de chez Marie-Ève. Oh, on a une mise à jour. Ah, on a perdu notre connexion. Écoutez, moi, je peux partager mon écran. Ah non, Rami est de retour. Excellent. Bon. Allez. Eh bien, écoute, Rami, donc dirigeons-nous vers le bureau de Sophie Thériault au deuxième étage à côté de chez Marie-Ève. Alors, vous voyez, c'est à l'échelle, hein, parce que ça nous prend du temps de nous déplacer. C'est mieux en volant. Ah, par exemple, les casiers du troisième. Oh, ah oui. J'ai l'impression d'y être. J'ai l'impression. Ah, ça, c'est mes anciennes photos des finissants, oui. Ah. Là, c'est l'atrium. Ouais. L'atrium, l'aquarium, les plus anciens ne connaissent pas. Ouais. Ah, et Rami qui nous ferme les portes. Un peu plus loin, Rami, un peu plus loin. Quasiment le. Ça va être ici, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que Sophie est avec nous? Bonsoir. Ah, Sophie est là, avec Henri. La compagnie du plus grand fan de Minecraft. Hein, qui... Ah, ben alors il va nous dire si c'est, si ça, si c'est joli ou pas. Oh, c'est mon bureau, Henri. Et il va pouvoir aller suivre Rami sur Internet qui a des super recettes pour faire des maisons modernes, faire des choses vraiment originales. Donc, ben, écoute, Sophie, bonjour. J'aime beaucoup la décoration. C'est beaucoup mieux qu'en réalité. J'aime les plantes. J'attends les revoir au retour de la pandémie. Aïe, aïe, aïe. Donc, Sophie Thériault, donc vice-doyenne aux études. Voilà, ça s'affiche à votre écran. Vice-doyenne aux études, donc une personne incontournable, notamment pour les premières années, parce que vous allez sûrement avoir affaire à Sophie dans le cadre de conférences, séminaires. Donc, vous allez sûrement la rencontrer. Et c'est vraiment une personne incontournable pour tout ce qui est curriculum, orientation et tout ce qui est en lien avec les aspects études de votre scolarité. Donc, Sophie, écoute, si on doit te demander quels sont tes lieux préférés ou les lieux qui t'ont le plus marqué à la faculté, qu'est-ce que ce serait? Ben, d'abord, je pense qu'il faut vous manier vers l'atrium en passant par les escaliers. Je prends toujours les escaliers. J'essaie d'éviter le plus possible les ascenseurs. OK. On fait de l'exercice, donc on peut monter les escaliers. Oui. J'ai vu l'ascenseur monter, c'était très impressionnant. Ah ouais. Et en fait, mon endroit préféré commence à peu près ici. Puis on tourne, puis continue jusque dans l'atrium, ce que l'on appelle l'atrium. Alors, pourquoi j'aime l'atrium? Bien, vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Le fauteuil, c'est un bâtiment tentaculaire, c'est un réseau de labyrinthes. Thomas disait qu'il avait été étonné là, de découvrir des nouvelles salles en préparant la plateforme. Moi, je vous dis, ça fait 13 ans maintenant que je suis à la faculté. Puis encore assez récemment, là, il y a quelques années, je découvrais carrément des nouveaux corridors dans le fauteuil où je me retrouvais perdue dans le fauteuil. Donc, c'est un labyrinthe. Alors, l'atrium, mais aussi dès qu'on arrive sur le palier des escaliers du troisième étage, c'est un carrefour. C'est un carrefour où se rencontrent l'ensemble des groupes qui coexistent dans le fauteuil. Les étudiants de droit civil, les étudiants de commandement en français, les étudiants de commandement en anglais, les collègues qui proviennent de l'ensemble des unités, le personnel administratif, les invités, les étudiants aux études supérieures. Donc, tous se retrouvent autour de l'atrium. Il y a la cafétéria également, là, où on peut avoir des discussions, des idées, des nouveaux projets, simplement en faisant la file qui est absente en ce moment, mais qui parfois peut être assez longue là, pour avoir son latte ou son expresso à la cafétéria. L'atrium, c'est aussi un endroit festif. C'est là où on fête nos grandes réussites. C'est là où on se dit, où on se rencontre pour la première fois. On fait nos cérémonies d'accueil à cet endroit-là. C'est là où on se dit au revoir, hein, parce que c'est aussi là où on fait les cérémonies pour les gens qui s'en vont. Donc, c'est un endroit qui est,
c'est ça, qui est très festif, propice à toutes sortes de rencontres. Donc, un endroit que j'aime beaucoup fréquenter, puis probablement que vous allez fréquenter véritablement souvent. Il y a toujours des étudiants qui étudient dans la cafétéria. Ça me permet parfois de pouvoir avoir des échanges informels avec des étudiants qui sont souvent en train d'étudier, par exemple, dans la matière liée à mes cours. Là. Donc, un endroit très convivial là, que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est vraiment un bel endroit. On a toute une terrasse. Ah, oui, une terrasse également là sur le. Est-ce que vous l'avez reconnue, une terrasse? Je ne pense pas l'avoir aperçue. Oui. Il y a une terrasse très jolie quand même, avec où on peut se rencontrer de manière conviviale avec le café. Donc, je vous invite à la fréquenter quand vous serez de retour au fauteuil. C'est super. Très bien. Wow. On a vraiment l'impression d'y être. For those who are following, just a brief translation. So this is the atrium of the faculty. This is where the students from the common law, civil law sections, French common law, all come together. There's the cafeteria and outdoors. There's also a beautiful kind of outdoor atrium as well. And this is a space where there's presentations. There's different events that are held as well. And it's kind of where you feel a lot of the energy inside the faculty is around the atrium area. Ah, c'est super. Et je pense, Sophie, que tu as partagé un deuxième lieu que tu voulais, à propos duquel tu voulais nous dire quelques mots aujourd'hui. Oui, ben, je suis une personne très sociable, donc j'aime les endroits de sociabilité. Alors, si on peut reprendre les marches, on peut descendre dans le corridor de mon bureau vers la 202. Donc... Et ça, c'est un nouvel escalier hein, pour les plus anciens qui sont avec nous. C'est quelque chose qui est assez récent, ces nouveaux escaliers. Oui. Alors, la salle 202, en fait, c'est la première salle à gauche quand on entre dans ce corridor. Et elle est étonnante parce que c'est une des salles vitrées. Hein, donc, il y a tout un mur de vitres qui nous fait sentir vraiment à l'extérieur, mais qui en même temps est très, très intime. Donc, c'est une salle, en fait, en réalité, si vous voyez les chaises, il y en a beaucoup trop pour la salle, mais ça dérange pas. En fait, c'est une salle étrange parce qu'on peut être trois dans la salle pour avoir une réunion, puis elle paraît pas trop grande. Mais en même temps, elle peut parfois être bondée de gens, mais on la sent jamais étouffante. Donc, c'est une salle où on se rassemble souvent, le plus souvent quand on a des invités. Par exemple, l'ensemble de nos conférences midi se déroule dans cette salle-là. Bon, plusieurs des réunions facultaires, des réunions avec des groupes d'étudiants. Donc, c'est vraiment un endroit de rassemblement pluriel. Donc, bien souvent, les étudiants de la licence, des étudiants de common law, des étudiants d'autres facultés, des études supérieures, des postdoctorants, des profs de la faculté, bon, de l'ensemble des sections, des profs d'autres facultés, des gens de l'extérieur, de la communauté juridique de l'Outaouais viennent. On offre des formations notamment permanentes pour le barreau. Donc, c'est vraiment un endroit de rassemblement où on apprend tous ensemble. C'est un endroit où germent des nouvelles idées, où j'ai vu éclore de nombreux projets très innovants. Donc, pour moi, c'est une salle... c'est une salle que je trouve inspirante, là, qui m'amène à réfléchir avec tous les gens qui m'entourent. Puis, donc, une salle qui m'a marquée. Une salle qui marque l'ensemble des professeurs, d'ailleurs, parce que c'est tout cela qu'on a fait nos présentations lorsqu'on est embauché comme professeur. Donc, probablement le premier endroit que plusieurs des professeurs qui n'étaient pas étudiants auparavant ont visité, mais qui donne le ton du fauteuil. Donc, un endroit ouvert sur le monde, mais un endroit aussi, une communauté assez serrée, ouverte et très conviviale. Donc, un endroit que j'aime beaucoup. Ouais. Ah, vous serez, si vous êtes impliqué dans Fauteuil puis que vous vous intéressez aux activités qui sont menées à la faculté, vous serez forcément amené à venir dans cette salle-là. Hein. C'est évident. Les conférences, souvent, sont ouvertes aux étudiants qui sont intéressés au premier cycle. On envoie quelques-uns venir et participer aux conférences du midi. Donc, ça peut être une façon de venir. Ouais. Super. Écoute, Sophie, est-ce que tu as une petite anecdote à partager avec nous à propos de la faculté? On a encore un petit peu de temps? Il y en aurait beaucoup en 13 ans. Je vais simplement dire celles qui se disent. Je voulais simplement donner une note au passage. Lorsqu'on descendait l'escalier, on parlait de nouvelle salle de classe à Norton Rose. C'est la 302, hein, c'est bien ça. Donc, ouais. Une grande salle pour ceux et celles qui sont relativement nouveaux à la faculté. Je veux simplement vous dire que pour nous, moi, ça l'a complètement transformé le fauteuil ici parce que où il y a la salle de classe, en fait, c'était un trou. Nous, on l'appelait vraiment le trou, là. C'était un vide, en fait, qui
ouvrait sur l'entrée du fauteuil et les gens étudiaient autour et on pouvait avoir une vue panoramique sur l'ensemble des gens en haut. Donc, au début, certains d'entre nous, à tout le moins, j'en faisais partie, étaient très nostalgiques de boucher ce trou-là, qui était en fait une grande ouverture, là, qui créait un fauteuil ouvert. Mais avec l'habitude, aujourd'hui, c'est une de mes salles de classe préférées. J'adore enseigner dans cette salle-là, donc j'ai aucun regret. Si j'avais une anecdote un petit peu rigolote, c'était que, bon, mon premier bureau, moi, je suis une nomade, j'ai déménagé à plusieurs reprises dans le fauteuil, mais mon premier bureau était dans le seul corridor, en fait, qui est partagé par des profs de Common Law et de droit civil. C'était le bureau qui est occupé aujourd'hui par la professeure Audrey Ferron, pareil, si je me trompe pas, hein, donc directement en face de la salle à micro-ondes. Alors, quand on est sociable, c'est pas mal le pire endroit où avoir un bureau quand on peut se concentrer puis travailler. Mais bon, quand je suis arrivée au fauteuil, on avait le droit de choisir la couleur de peinture de notre bureau. Et là, je la vois, en fait, la couleur de mon bureau sur mon écran, cette espèce de bleu. En fait, le bleu de ton bras. J'ai un dossier sur mon bureau qui l'illustre bien. Donc, Martine Saint-Louis, qui à l'époque nous aidait à choisir la couleur de notre bureau, nous avait dit ce qu'on voulait. J'avais choisi très vite. J'avais été très occupée. J'ai choisi un bleu qui ressemblait à ça. Je pensais qu'il y aurait juste un mur, mais quand je suis arrivée, il y avait les quatre murs. C'est un véritable aquarium. Et on m'a dit que j'étais pas mal pris dans mon aquarium pour au moins 5 ans, parce que je pouvais pas payer pour le repeindre. Mais l'anecdote la plus drôle, c'est que moi, j'habitais dans un océan ou un aquarium, selon. Mais ma voisine de bureau était la professeure Muriel Paradel, que vous allez rencontrer et adorer. La professeure Paradel est une des professeurs très appréciées à la section de droit civil. Elle est très enthousiaste et son enthousiasme est tellement contagieux qu'il se propage aux plantes. Donc, c'est la personne qui a le plus grand pouce vert que j'ai jamais connu. Et dans son bureau, il y avait une plante tropicale qui a dû commencer assez petite, mais qui avait poussé au point de devenir un véritable arbre. En fait, pliait sous le plafond. Donc, quand on entrait dans le bureau de Muriel Paradel, il y avait un arbre en véritable qui pliait pratiquement tout au long d'un mur latéral et s'étendait sur le plafond. Donc, on avait un corridor assez festif entre la salle à micro-ondes où tout le monde faisait réchauffer leur lunch, l'aquarium et la jungle voisine. Donc, wow! Un écosystème parfait. Maintenant, on est obligé de choisir des couleurs neutres et je ne dirais pas que j'en suis la cause. Ok, bah écoute, bah merci beaucoup Sophie pour ces petits éléments que tu partages avec nous à propos de la faculté. Ça nous fait du bien parce que ça nous manque quand même un petit peu, même beaucoup, je dirais, cette faculté. Donc écoute, bah merci beaucoup d'être passé nous voir et puis à très bientôt. Ben, merci beaucoup Thomas et merci beaucoup à Alexandre. Là, vous avez travaillé fort sur ce projet-là et on en est très fiers. On a travaillé, ouais. Enfin, on viendra sur l'équipe, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une équipe qui a travaillé là-dessus. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Donc, Terry, je pense que là, il faut qu'on aille voir notre prochain invité, hein, parce que je pense qu'il attend. Je te laisse le présenter, puis nous dire où est-ce qu'on va. So now we are going to meet up with Professor Kyle Kirka from the Common Law section. Hello, Kyle. How are you? I'm good. How are you? Good, long time no see. How's everything? It's been great. I now feel like I'm living the influencer lifestyle on this live stream, and I'm really looking forward to new sponsorship opportunities and, you know, just living the influencer lifestyle. Amazing. It's great to have you here with us today. So Kyle, you teach criminal law, and what else are you involved with these days in the common law section? Yeah, so I teach first year criminal law, and I also teach first year public and constitutional law, and then I teach an upper year advanced constitutional law seminar. And I've been really busy this summer avec le professeur Anne Lévesque, planning orientation for the common law program. And so that's definitely taken up a good chunk of our summer, and we're really, really excited to be here on Minecraft today. Amazing. And Anne Lévesque is also in the chat. I've seen some of her comments today. And so it's great to have you with us. And so tell us, what is one of your favorite places in Fauteuil to go visit? Okay, so one of my favorite places is we want to go back to the first floor and go down to the back entrance in Fauteuil. So kind of towards the washrooms there and then head down to the back entrance. And I really, really love, there's a beautiful outdoor space just outside of that back entrance.
So yeah, you just keep going straight and then into that back corridor and then out the door. Great. And actually exit the building. Ouais, Rami, là, t'es reparti dans l'autre sens. Faut que tu repartes. Reviens ici. Oui, yeah, hein? Exactement. Voilà. And anyway, there is a beautiful outdoor space just through here. And in the summer, there's trees out, there's a garden. And I didn't realize this, but one day I was sitting working outside and I noticed that Professor Levesque was actually pulling berries off of those trees that you see on the screen. And it turns out that bush there is a Saskatoon berry, which I have very fond memories. I grew up in Manitoba and I used to pick them with my grandmother in the summers. And so I just thought it was a fun little memory of my grandma. It was, so every time I walk through there because of Professor Levesque, I think about those summers in Manitoba. So it's a beautiful spot when, you know, you want to get away a little bit from the concrete and you want to just take in a little bit of the outdoor nature. You've got the bushes. There's a beautiful garden that is planted by some students in the university. And it's just a great place to relax, especially in the summer. Yeah, and I apologize, Carl, because we really tried to reproduce it in the game, but it was like hard. But it's yeah, we love the story around it. So it's very nice. Oui, yeah. Merci. And Kyle, do you have any anecdotes about Fauteuil you want to share as well? Sure. I guess one that really comes to mind is every time that we have a new Supreme Court of Canada justice who is appointed to the bench, we will typically do some kind of a ceremony at the University of Ottawa, typically in room 147, which has two expandable walls that can basically fill the most number of people that we have in the building. Mm-hmm. And so I have many fond memories where, you know, I remember at one event, we had all nine of the Supreme Court of Canada justices in our building. It was incredibly exciting. And then afterwards, I was kind of starstruck that we had a reception upstairs. And I remember thinking, oh my goodness, this is the only law school in Canada, I guess in the world, where you could just go into an event and you would be sitting with all nine judges of the Supreme Court of Canada. So a very, very exciting, dynamic place in our law school, 147. Yeah, absolutely. Okay, ouais. Yeah. Kyle nous dit qu'il nous donne un élément très intéressant puis qu'on a tendance à oublier quand on est là depuis de nombreuses années à Fauteuil, c'est que c'est vraiment un lieu incontournable et un lieu où vous pouvez très facilement rencontrer des gens très importants du milieu juridique, et notamment les juges de la Cour suprême. Et c'est vrai qu'on oublie parce qu'ils sont là tous les ans à la rentrée et on a de nombreuses chances de les rencontrer, de discuter avec eux, de leur poser des questions. Ils sont très souvent très ouverts à discuter avec les étudiants. Et Cal nous expliquait qu'à un moment donné, les 9 juges étaient présents au même endroit à la faculté de Fauteuil. Et c'est probablement une des seules universités au Canada, où vous pouvez avoir l'ensemble des juges de la Cour suprême réunis au même endroit. Yeah, absolutely. And it's also the location where we have La Rentrée Solennelle, kind of the welcoming ceremony to welcome all the new students in the fall, is held in Fauteuil 147, Fauteuil 147, right in front or under these two screens that you will see up there. Who is that actually on that screen? Is that Thomas Burelli? Yeah. So that is this is where all the students come for their welcome ceremony as well. Right. So if in typical years on the common law side, this is where we would have heard from a guest speaker. So this year it was Senator Marie Sinclair. So we would probably have heard from Senator Sinclair here in 147 with all the walls opened up. Ah, c'est super. Et d'ailleurs, on a notre entrée solennelle la semaine prochaine pour la section de droit civil. Et la doyenne et un invité, je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas si c'est public, seront là pour accueillir les étudiants et seront présents au 147 pour pouvoir les accueillir en ligne, mais en présence à ce moment-là. Et je précise que nous ne sommes pas responsables des écrans qui ont été placés et des photos. Ce n'était absolument pas dans le contrat de Rami, qui ne nous a pas écoutés et qui a refusé de les enlever d'ailleurs. Voilà.
Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Cal, d'être venu nous voir aujourd'hui. On est vraiment content de pouvoir partager ça avec toi, avec les étudiants du programme de Common Law en anglais et en français. Oui, donc, merci. C'est vraiment beaucoup. Un plaisir. C'est parfait. Merci. Bonne journée. Thanks so merci. Much, Kyle. Take care. Super. Alors, peut-être quelques mots sur la construction du bâtiment, parce que ça a été posé comme question. Donc, très rapidement, comme je vous l'ai dit, on a eu accès aux documents du bâtiment, donc les plans originaux, et on a commencé à travailler avec Alexandre Lillo à la création. Un collègue de la faculté a commencé à travailler à créer ce bâtiment-là, tout simplement parce qu'on a vu d'autres gens le faire. On a vu des étudiants à travers le monde qui ont décidé de recréer leur campus qui leur manquait. Et on s'est dit, pourquoi pas nous? Donc, on a commencé un petit peu comme une blague. On ne savait pas dans quoi on se lançait parce qu'encore une fois, c'est des millions de blocs à poser. Il a fallu excaver pour pouvoir construire tout l'étage de Common Law qui est un petit peu sous terre, le premier étage. Et donc, ça a été vraiment un travail de titan. On était deux au départ. Et encore une fois, heureusement qu'on a eu l'aide de Rami Alaoui pour nous aider avec l'intérieur. Mais aussi, je dois le mentionner, l'aide de Simon Garceau. Alors, est-ce que Simon, il est avec nous là? Pour que je puisse le présenter. Ah, Simon, il est là, impeccable. Bonjour. Bonjour, Simon. Donc, peut-être un petit mot pour vraiment souligner le travail de Simon, qui est un petit peu plus un travail de l'ombre que ce qu'a fait Rami. Simon nous a aidé avec tout ce qui est la mise en place du serveur, pour qu'on soit sûr que techniquement, tout fonctionne. Et donc, on est vraiment très contents parce que Simon, c'est un étudiant que j'ai rencontré dans le cadre d'une activité à la faculté. Et qui m'a absolument impressionné par ses compétences, parce qu'il est à la fois juriste et il vient d'être diplômé chez nous. Donc, félicitations, Simon. Et en même temps, peut-être, Simon, dis un petit peu quelle est ta deuxième compétence et tes intérêts, peut-être. En fait, moi, j'ai des compétences en matière d'informatique au niveau coding. Remarque que Java, c'est quelque chose qui était quand même loin. Je suis plus habitué avec le C# ou le Python. Puis, sur le projet, j'ai vraiment plus travaillé dans l'aspect pour leur donner les outils pour certaines choses qu'ils voulaient faire qui n'étaient pas nécessairement dans le jeu de base. Exemple, comme toutes les photos ou comme le tableau que Rami est en train de démontrer à l'écran. Ce genre de trucs-là à juste importer, mais aussi s'assurer que tout était aussi stable et la stabilité, certaines choses. En fait, je permettais juste d'avoir les outils pour pouvoir accomplir leur vision qu'il y avait. L'esprit créateur vient vraiment de Thomas, Alexandre et Rami qui ont fait un travail extraordinaire sur la conception de la faculté et de la reproduction. Mais sinon, c'est ça. Pour mes autres projets, moi, je travaille là présentement. Je suis en train de faire un peu de machine learning pour possiblement développer un software qui va aider à améliorer l'effectivité des avocats dans certains domaines afin de justement faire une tâche plus rapidement, mais aussi que ce soit plus accessible pour les gens parce que si on dit plus rapide, on dit moins cher aussi. Donc, peut-être désengorger un peu le système juridique ainsi. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai été impressionné par le double chapeau juriste et puis autodidacte en informatique, hein, parce que si je me trompe pas, c'est quelque chose que tu as appris tout seul. Oui. Et c'est vraiment impressionnant. Puis moi, j'ai hâte de voir tes projets parce que, à mon avis, il y a un potentiel énorme justement à la frontière entre ces deux mondes-là. Et je suis sûr que tu vas nous impressionner. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis très content qu'on ait pu collaborer sur ce projet-là et j'ai hâte de voir la suite de tes aventures. Donc, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À bientôt. So, Simon was responsible for helping put together certain parts of the photo Minecraft as well. And now is currently working on a project involving machine learning to make justice more accessible and to help lawyers in developing certain tools to help their clients. Super. So, Now, Thomas, we're going to go meet with our final guest of this tour. We're going to meet with Anne Lévesque, and she's with us now. She joins us now. Bonjour, Anne. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Je suis vraiment nostalgique en voyant cette magnifique visite de photo. Ben, merci de nous rejoindre. Alors, Kyle a expliqué que vous êtes en train de préparer et de finaliser tout ce qui va porter sur l'accueil des nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes en Common Law. Puis comment se passe ce processus? Comment ça va? J'ai adoré travailler avec le professeur Kirkup sur cette tâche. Je crois qu'il m'a trahi en divulguant mon secret des Saskatoon. Moi, j'adore les Saskatoon et je pensais que j'avais accès à cette ressource à moi-même. Mais là, les autres étudiants...
Allez-y, vous allez voir, c'est une herbe très généreuse et sont délicieux les Saskatoon de Fauteuil. Donc oui, depuis le début de l'été, je travaille avec le professeur Kirkup sur l'orientation. On a commencé ce matin avec un programme assez chargé. Nos étudiants participent. On a des activités interactives en ligne et le programme continue demain et mardi. Excellent. Excellent. Alors, si on avait ou si vous avez à nous indiquer un de vos endroits préférés au sein de la faculté, ça serait où pour vous? Quel endroit? Ben, moi-même, je suis diplômée du programme de Common Law français. Donc, j'ai plusieurs beaux moments à Fauteuil comme professeure maintenant, mais aussi comme ancienne étudiante. Mais je vais vous parler du corridor du programme français. Donc, c'est au troisième étage et on est très bien situé parce qu'on est tout près des micro-ondes. Et c'est très pratique si on veut réchauffer notre lunch rapidement. Et aussi, il y a beaucoup de belles lumières qui entrent vers le sud. Donc, juste derrière, si vous tournez, et souvent les gens nous manquent parce qu'on sait qu'il y a l'escalier, mais juste en arrière, il y a la porte de la grande allée. Et donc, la plupart des profs du programme Common Law français ont leur bureau ici. C'est un secret caché de Fauteuil. Et si j'avais à décrire l'ambiance de ce corridor, je dirais un party de cuisine. Les professeurs du programme de Common Law français, on a une réputation d'être très informel, chaleureux. Donc, souvent, les portes sont toutes ouvertes. Et moi, je m'amuse aussi, comme la professeure Thériault, je suis très sociable, parfois trop. Et donc, je m'amuse à passer d'une porte à l'autre et déranger mes collègues dans leur travail. Pour une petite anecdote, les étudiants du programme Common Law français et de droit civil ont rencontré cet après-midi le professeur Yves Leboutier, qui a un bureau dans la grande allée. Le professeur Leboutier est avec nous depuis très, très longtemps au programme français. Et son bureau est un peu comme une légende. Donc, il est rempli de livres, des souvenirs de ses voyages. C'est un grand voyageur. Mais il y a aussi un lutrin d'une église dans son bureau qu'on peut même voir de l'extérieur du bureau. Et parfois, on voit même le professeur Leboutier debout sur son lutrin comme un prêtre en train de rendre un sermon. Donc, ce lutrin vient de l'église All Saints qui est sur Laurier et qui est maintenant devenu un restaurant et un patio avec une excellente crème glacée. Donc, une autre petite perle de sagesse à transmettre aux étudiants. Si vous êtes à Ottawa, la terrasse All Saints, c'est sécuritaire, beaucoup de distanciation sociale et de l'excellente et crème glacée. Et sachez que c'est le lieu d'origine du lutrin du professeur Leboutier. Wow, ça, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant de ça. Moi non plus, j'avais aucunement de un qu'il y avait un lutrin, de deux que ça venait de l'église All Saints. Ah, excellent. Super. Ben écoute, merci beaucoup Anne de partager ça avec nous. Est-ce que on a vu effectivement les micros, tu nous en avais parlé. Et peut-être est-ce que tu as un dernier mot pour la bienvenue des étudiants pour le programme de Common Law en français? Peut-être un dernier message ou quelque chose pour eux? Oui, donc vous venez de voir mon bureau. Mon bureau, je mets beaucoup d'efforts à le rendre aussi chaleureux que possible. J'ai souvent une théière d'allumée, faut pas dire aux gens responsables des immeubles. J'ai un frigo, j'ai des chocolats, j'ai de l'art, j'ai des plantes. Donc, j'aime que mon bureau soit un lieu de rencontre. On dit même que tout ce qui manque, c'est un petit chat pour rendre vraiment le lieu le plus agréable, mais je n'ai pas de chat. Mais à défaut de pouvoir se rencontrer en personne, sachez que vos professeurs sont impatients de vous rencontrer. N'hésitez pas de cogner à nos portes virtuelles. On est là pour vous et on veut absolument vous parler et apprendre à vous connaître. Bon, ouais, super. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup d'être passé nous voir. À bientôt. Eh bien, écoutez, on arrive bientôt à la fin de notre diffusion. On est un petit peu en retard, mais je peux pas finir sans remercier les gens qui nous ont aidés dans ce projet-là. C'est très important. Donc d'abord, Alexandre Lillo, avec qui on a commencé à poser les premières pierres, ben voilà, qui est là. Il est en France en ce moment, donc le pauvre, on pense à lui parce qu'il est minuit. Il est en plein décalage horaire, le pauvre. Donc on pense à lui, mais on a commencé ce projet un peu fou ensemble.
c'était, on se rendait pas compte. À ce moment-là, on se rendait pas compte. Et heureusement, on a eu de l'aide. Et donc, justement, donc, je disais, je suis très content de pouvoir faire cette présentation avec le professeur Skolnick parce que c'est grâce à lui qu'on a rencontré Rami. Sans lui, il a tout le temps été super enthousiaste à propos du projet. Donc ça fait du bien aussi parce qu'on se dit, bon, bah, si ça plaît aux collègues, on continue, on avance. Donc ça, vraiment, merci beaucoup. Donc on a Rami qui est là, Rami qui nous a aidé avec tout l'aspect intérieur, etc. Il a fait un travail de fourmi, c'est hallucinant, puis vraiment au-delà de nos attentes parce que c'était incroyable. Simon Garceau, que vous avez vu, qui nous a aidé avec toute la partie codage, et sans lui, on n'aurait pas pu monter le serveur, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, on avait Étienne Trépanier, qui est notre vidéaste en résidence, qui fait des miracles. Depuis quelques mois, il fait des miracles au niveau de la vidéo, c'est un plaisir de travailler avec lui. C'est lui qui a tout organisé pour le stream d'aujourd'hui. Il nous a vraiment sorti, il nous a vraiment aidé. Parce que là, sans lui, je pense qu'on aurait perdu beaucoup de temps à organiser tout ça. Donc vraiment un grand merci. Toutes les petites animations, c'est lui. Et donc c'est super. Puis vous allez voir ses projets tout au long de l'année, je pense. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'occupe de la rentrée solennelle. C'est le 9 septembre, hein, Étienne, c'est ça hein? 9 septembre, 16h, sur ces mêmes plateformes, YouTube et Facebook. Et vous pourrez aussi découvrir les projets sur lesquels on travaille sur juryvision.ca, la plateforme audiovisuelle du droit. Donc, je vous invite à explorer le tout. Ouais, donc je vous recommande de suivre vraiment ces cérémonies-là. Je pense que vous aurez quelques petites surprises. Et puis, au niveau, encore une fois, de voir le bâtiment, cette fois-ci en vrai, ou mot de bienvenue de vos professeurs, ça va vraiment être un bel événement. Donc, moi, j'y serai, puis j'espère que vous serez là aussi pour en profiter. Dernier mot pour parler du futur du projet. Alors, à partir de demain, vous pourrez vous connecter sur le serveur. Donc, toutes les personnes qui souhaitent accéder à la faculté pourront le faire. Vous ne pourrez pas détruire la faculté, c'est pas possible. Mais vous pourrez visiter notre serveur. Non, le pauvre ami va nous faire une crise si on détruit tout. Mais vous pourrez y accéder, vous pourrez vous balader dans les couloirs. Si vous voulez détruire la faculté, on vous donnera le fichier, vous pourrez la reproduire sur votre propre serveur et détruire la faculté ou en refaire une totalement nouvelle. Maintenant, le projet, nous, on estime qu'on a terminé ce qu'on avait prévu de faire. Si des étudiants sont motivés pour élargir le campus, pour construire d'autres bâtiments, pour améliorer ce qui a déjà été fait, il n'y a aucun problème. Il suffit de nous écrire et on sera très content de vous passer les clés et puis de vous laisser travailler là-dessus. On sait qu'à 4, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à reproduire le campus. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et on vous donnera un guide donc pour vous connecter au serveur, un guide étape par étape, mais vous avez déjà l'adresse à l'écran. Donc, pour les connaisseurs de Minecraft, c'est pas compliqué. Vous pouvez vous connecter dès maintenant, en fait. So just to thank our guests once again and all our participants for today, Alexandre Lillo, who helped us, who helped construct the Minecraft level, Thomas Burelio, our co-host as well, Rami for all his great work putting this together, Simon, who was here a moment ago, and Étienne Trépanier, our videographer in residence for this year, who will also be live streaming La Rentrée Solennelle, the welcome ceremony for this year, which will also be available to live stream on Facebook and YouTube. So you'll be able to catch it there. It is an excellent event every single year. And it's a very, very special welcome for our new students inside the faculty and to welcome our students from the upper years and professors returning back to Fauteuil. So we look forward to seeing you there. And thank you to all the participants today and everyone who came and joined us in the chat and watched the live stream as well. So thank you. Yeah. And Just for the people who want to visit it, no worries. We'll give you access to it. You could see the address of the server on the screen. We'll give you a full guide on how to connect to the server. And if you want to join the project, if you want to expand the campus, if you are from another faculty or if you have friends from other faculties and you want to expand it, we are open to it. We don't want to do it because it's too much work, to be honest. And now we have to prepare the class harder and harder because we did it already during the summer. But if you want to participate, I saw some people in the chat asking for it. Go. We are more than happy. If you want to put mini games in it because you know Minecraft, go for it. We are very open to this. So thank you for watching. And yeah, see you in the virtual photo, maybe. See you soon at La Rentrée Solennelle. Bye, everyone. Ouais.